Ouais, une frustration, mais beaucoup de fierté par rapport à ce que le garçon ont donné aujourd'hui. Quand les événements sont inverses, bah, ça continue, on a eu ce rouge, mais on n'a rien lâché, on est resté organisé et sans sortir quoi que ce soit en gardant tous nos attaquants. Et puis derrière, on a failli être récompensé pour un petit but. La FIFA doit faire l'effort de le positionner sur une vraie date FIFA. Ça, c'est la première chose, c'est la priorité. Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut. Nous étions sur ce mondial l'équipe la plus impactée par rapport aux compétitions qui ont permis à ces équipes de se qualifier. Puisque nous, on était, y avait simplement 10 garçons qui avaient fait le championnat d'Europe sur les 21. À titre comparatif, l'Angleterre, il y en avait 16 sur 21. Bref, on ne va pas pleurer, on le savait. Après, ceux qui connaissent le foot savent aussi que pour construire une équipe, il ne suffit pas d'avoir 21 joueurs, mais il faut un temps pour travailler ensemble. J'avais dit que le temps serait notre principal allié. Il nous a manqué quelques jours parce qu'on l'a vu aujourd'hui, on commençait à monter en puissance. Maintenant, à titre perso, je dois aussi, parce que c'est toujours intéressant d'analyser une compétition et peut-être être de temps en temps un petit peu moins ambitieux dans le jeu pour gratter un petit point. Et ce petit point qu'on aurait dû prendre contre la Corée notamment, parce que la Gambie on a été mauvais, donc on ne méritait rien, bah aujourd'hui nous aurait qualifiés. C'est le premier match qui me met le plus de regrets. Après, pour les garçons présents, ce sera un formidable. Je leur avais dit ce matin que je voulais qu'ils se souviennent de ce 28 mai 2023, quoi qu'il arrive. Et ça sera pour eux, j'espère, un élément qui leur permettra de faire une grande carrière. Ouais, beaucoup de frustration, parce que on a vraiment tout donné, malgré qu'on était à 10. On a vraiment joué avec les tripes, on a donné tout ce qu'on pouvait. Il y en a même qui sont sortis sur crampes. Donc ça prouve que bah, on s'est donné à fond. Et on était à un but d'aller chercher l'exploit. Mais malheureusement, c'est le football. Le carton rouge nous a fait mal un peu quand même. On n'a pas lâché, on a gardé la tête froide, on est resté fort. Et ce qu'on s'est dit dans le vestiaire, c'est que bah, il restait 45 minutes. Et même un peu plus bah, pour faire l'exploit, comme j'ai dit. C'est mentalement. Mentalement, on n'a rien lâché et on a montré qu'on s'est donné malgré tout.